Juste pour rappeler pourquoi jusqu'à présent il n'y a pas forcément ce qui peut se rediscuter, hein, ça je pense que c'est intéressant de le questionner. Il faut oublier que suite à Fukushima, il y a quand même eu la FARM qui a été créée, la force d'action rapide du nucléaire, qui permet justement d'avoir des équipes ultra spécialisées, ultra entraînées pour ces situations-là. Parce que je ne suis pas sûre que ce soit les sous-traitants du site ou même les agents EDF du site, suivant le type de catastrophe, les procédures, on puisse les mettre en place. C'est bien pour ça qu'il y a des équipes spécialisées réparties sur tout le territoire. Pour compléter, la FARM...